Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu. Car il a fermé les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses lois, ses ordonnances. Louez l'Éternel! Louez l'Éternel! Amen. Thank you.
Voilà, avec cette note de la symphonie angélique, nous allons nous incliner devant le trône de la grâce de Dieu dans la prière, hein, comme toujours avec notre confrère, le révérend pasteur Kepler Joseph depuis Fort Myers, Florida. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Père Saint, au nom de Jésus de Nazareth, nous nous approchons du trône de la grâce de Dieu, pour être secourus dans nos besoins. Nos besoins sont multiples, mais notre besoin primordial est de vivre avec toi, de marcher avec toi. Et tu nous promets chaque jour ta présence, ta sainteté. Le Saint-Esprit nous guide, nous anime et nous permet de pénétrer la profondeur de la vérité biblique. Merci Père Saint pour cette journée au cours de laquelle tu nous as visités. Tu nous as protégés et tu nous as mis au large. Et nous attendons ce moment tant attendu, ce moment précieux, ce moment après lequel notre âme soupire. Permets à ton serviteur, en dépit de toute occupation qu'il gagne, mais on met sous crainte pour la porter à nous-mêmes cette nourriture, cette programmation sacro-sainte. Au nom de Jésus de Nazareth, nous remettons entre tes mains le contenu de cette programmation. Permet au notre Dieu que nous puissions jouir ta grâce à travers la lecture, les cantiques et l'exposition de ta parole. D'abord, nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier. Nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas observé ta parole. Certaines fois, Seigneur, nous sommes aux prises à de très grandes difficultés spirituelles. Mais tu nous promets ta présence. Tu nous as laissé une provision spéciale consignée au deuxième verset du premier chapitre de la première épître de Jean, dont le libellé s'énonce comme suit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci pour cette grâce. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, tout ça que pourra le faire. T'en prie, bénis-nous. Et si là, au cap, prendis-nous. Fais-nous grâce qui est toujours religieusement avec nous. Fais-nous capable d'accepter comme souverain personnel. Merci de ce qu'on a déjà répondu nous. Et nous commençons à bénir. Et la bénir, tout ça qu'a fait. Et là, prenez-nous. Nous adressons avec pardon, péché nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons béni, qu'après-nous, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup au pasteur Kepler Joseph pour cette prière introductoire. Restez branchés. Thank you.
Yes, c'était encore avec nous le légendaire orchestre symphonie angélique qui t'a béni nam nou. Oui, il est livre à retourner à la bas chaque monde ça y a mérité. Pourquoi? Parce que ça aussi, mais c'est ça on va récolter. C'est ce que vient de nous enseigner la symphonie angélique. Mesdames et messieurs, nous pourrons gagner la sœur Lavanette Oscar dans une prière pour l'Église Parole Vivante et pour tout ça yo qui branché sur l'Église Parole Vivante, bien entendu. Mais avant de faire ça, nous demandons pour abonner à programme ça ou même qui sur YouTube. Alors, vous regardez un écran, soit dans le téléphone ou dans le computer ou bien dans la tapou. Après, en bas, image là, du côté droite, ou pour un côté, il dit subscribe, qui est capable d'écrire ou bien en rouge ou bien en blanc. Subscribe. Il y a quelque côté, si vous êtes dans le pays français, il dit abonné. Eh bien, un seul bagage vous capable de faire pour encourager l'autre monde, béni, même gens avec vous. Parce que si le programme ça pour de bénédiction pour vous, eh bien, faut continuer de faire la grande commission, faut mettre les mains dans la pâte, faut y avancer, pour le faire cheminer, pour le gagner le plus grand nombre d'âmes pour le ciel. Si tu as aimé, il bénit l'autre monde tout, tu as aimé, fais travail là avec nous pour jeter pont pour l'autre monde dans le ciel. Eh bien, touchez petit côté ouais, ou dit subscribe là. Seulement touchez li ak doit tout. Hein, côté ouais qui écrit subscribe, hein? Donc en français c'est abonné. Subscribe. Alors, bien entendu, si vous parlez bien et comprenez l'anglais, vous pouvez lui dire subscribe. Pas vrai? Subscribe. Mais c'est subscribe que lui prononce. Eh bien, touchez-lui avec doit tout. Hein? Touchez-lui avec doit tout. À l'instant même, ou quand t'as abonné. Ou pas payer 5 copes pour ça. C'est gratis, chéri. Abonné pour capable partager-lui avec l'autre. Chaque fois que nous dans l'air, pour jouer ni automatiquement, chaque fois que nous montons dans l'air, live, ou déjà branché avec nous, et puis y entrer la caillou directement. Mais il faut que vous abonnez pour sa fête. Donc, touchez, si côté où vous écrit abonné, ou bien subscribe, subscribe, bah ouais, non, c'est subscribe. Donc, touchez-le, et puis à l'instant même, vous abonnez. Ce n'est pas trop de travail vous faire, vous pouvez payer pour ça. On va gagner aucune obligation pour ça, c'est gratis chéri. Touchez la doit tout et en même temps ou déjà abonné. Et en même temps tout ou partager li à d'autres justement pour yo capable ouais, pour yo capable joindre aussi cette même bénédiction qui va jouir avec nous semaine après semaine. Maintenant, nous espérons que la sœur Lavanette est disponible parce que l'attendez nous, on va prier pour l'église parole. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour journée qui permet de nous passer. Nous tous tes sorties, nous t'avons gagné, mais matériellement. Nous chapeaux avec nous, nous t'avons fait nous entrer en bien, nous tous merci. Malgré Seigneur Dieu, nous pas bon, pas garder sous état, non, pour j'en nous péché, nous pas mériter bénédiction. C'est le bagage comme on fait mon ouvrier grâce ou quelque compassion pour mon ouvrier. Nous disons merci pour miséricorde, merci pour conversion, merci pour grâce envers nous-mêmes. Si elle nous paraît devant matin et après-midi, avec parole vivante, Seigneur Dieu, spécial, non, pasteur, non, nous lever le bas haut, on va toujours intercéder pour lui. C'est pas lui-même qui va parler, c'est où va parler. Nous lever foi et le bas haut, Seigneur Dieu, nous lever ministère dans la main. Yon ko choisi, Seigneur Dieu, ou mette sagesse ou en dan. Oh, pour le travail pour vous, Seigneur Dieu. Nous bénissons pour ça, nous exaltons. Nous levons Madame Nina, mon Seigneur Dieu, qui met tête ensemble avec elle, quelle que soit fatigue, ou fatigue, écrit en avant. Nous demandons, Seigneur Dieu, ou pas un bon Dieu qui est méchant, pour t'oublier le travail, yon fait pour Seigneur Dieu. Comme récompense, ce n'est pas mon cap fait, c'est ou cap paye. Parce qu'on dit chaque monde va recevoir récompense, c'est le saloté fait. Nous bon gloire pour vous, Seigneur Dieu. Parole vivante, contre chaque grand monde qui n'a parole vivante. Nous levons le ministère dans mon Seigneur Dieu. Personne pas qu'à faire rien, ministère, c'est vous-même. Qui a fait tout bagaille, qui a mis le monde, qui a pris le contrôle, pas de monde qui a fait rien.
c'est vous-même qui avez contrôlé la parole vivante, Seigneur Dieu. N'attendons, ou qu'on sa parole vivante, ou qu'on chaque membre parole vivante, Dieu. Nous levons au bas au Seigneur Dieu, qu'on adresse au côté, et ça qui est malade, Dieu, Seigneur Dieu. Nous parlons de vous, papa, avec frère Jean. Oh, maman, oh, papa, on va faire une intervention parce que c'est bon Dieu. L'offel pour vous, c'est comme si vous poussez il t'offel. Bah, il servant tout la joie, bah, il servant tout liberté, Seigneur Dieu. Parce que c'est lui pour faire, ou mettre, c'est pas pour sans raison. Nous demandons au Seigneur Dieu, on va bah, plus encouragement. On va prendre toute faiblesse, yo, Seigneur Dieu, toute fatigue, yo. On va mettre force dans la faiblesse, le Seigneur Dieu. L'Éternel des armées, nous levons chaque monde, nous encore, contre côté, nous levons Sénadine dans mon Seigneur Dieu. Nous disons merci pour victoire, ça, on va y servir tout. Seigneur, nous étions là, car nous collions sous les pas en vain. C'est ça fait à chaque fois, nous jouons une chance pour dans la présence, à chaque fois nous avons une chance pour nous entrer dans le temps pour, parce qu'on dit côté de toi réunis dans nous, là parmi nous, depuis nous deux, trois, ou qui étant là, et pas sans raison. Jean nous entre nous pas sortir comme ça. Il est là dans la carrière au Seigneur Jésus, parce que nous avons besoin pour faire bagaille pour nous, mais nous avons besoin de nous mettre dans des dépôt, parce que des circonstances la privée, c'est seul ou même qui apparaît pour nous. Si dans quelque soit circonstance servante là, c'est où tu parais. Nous disons merci pour lui, parce que nous ne pouvons pas faire un instant ou même parole vivante qui est là. Seigneur Dieu a intercédé pour lui et qu'on s'en fait grâce. Et jusqu'où nous l'hypocrisie finit en forme, même qu'on est avec pouvoir, puissance ou même qui commence à avoir fini pour lui. Nous disons merci pour parole vivante, pour ne pas jamais quitter nous, Seigneur Dieu, nous ne pas bon, parce que tout l'autre monde, mais ou fait ou son église, Seigneur Dieu, ou fait nous en pile grâce. Nous bon gloire, nous bon adoration pour ça, Seigneur Dieu. Nous levons chaque ami parole vivante qui toujours intercède, qui souligne dans la Seigneur Dieu, qui ne va jamais laguer parole vivante, qui toujours songe l'air à côté de nous, même parole vivante, nous oublier ou bien nous gagner l'autre pareil n'a pas réglé. Ou les prennent nous dire, mais eux même ils toujours aller. Moi, nous va laguer une bénédiction spéciale pour le Seigneur Dieu, parce que travail n'a pas qu'à faire ça eux-mêmes, ou qu'on est à plat. Nous levons chaque monde qui te connaît avec nous, pas qu'avec nous encore, qu'on est eux, qui difficulté au gain, c'est Dieu, mon nom, voilà, une bénédiction spéciale pour eux. Nous levons programme, projet, parole vivante, gain programme, Seigneur Dieu, qu'on date là, ou qu'on moi, Seigneur Dieu. Non, c'est vous toujours avec nous dans tout ça en affaire, et c'est vous qui dit, si nous, depuis nous quitter les yeux, nous fixer sur, nous invitons dans tout ça en affaire, quoi faire ou t'avais, nous tout bagarre passant bien, et ça te fait depuis d'avant, si un Dieu nous invite, ou comme premier visiteur, comme invitateur, comme visiteur d'honneur, Seigneur Dieu, qui vient pour participer dans le programme, ça, c'est vous-même qui connaît comment on appelle, et chaque monde qui vient pour la lâche ton quatre, chaque monde qui vient pour un quatre, tu n'as même pas, on va bénir, Seigneur Dieu, parce que c'est pour travailler là, qu'à marcher vers l'avant, c'est à nous lever parole vivante dans mon qui besoin en côté pour nous adorer, Seigneur. Nous pas décourager, rien pas impossible pour avoir nos témoignages là quand même. Que des bagailles pour qu'on fait, c'est parce qu'on oublie, nous pour qu'on gérer, ou bien on doit faire l'autre recherche qui est bon pour nous, et ça fait nous qui tes yeux nous sous, ou pas jamais faire rien. Avant l'air, Seigneur Dieu, tout ça fait, ou qu'on raison, guide-les, nous besoin de bagaille, n'a pas de demande, et pourtant, Seigneur Dieu, ou qu'on veut, ou qu'on raison, parce qu'on est pile, on est passé, non, Seigneur Dieu, nous levez parole vivante dans mon, quel que soit, et sans bagaille, la ta dégénéré, ou pour mettre nous à faire quand même, Seigneur Dieu, parce que c'est côté pour nous adorer, ou en esprit, en vérité, Seigneur, fait pour nous, nous demandons, Seigneur Dieu, bah, nous l'argent, vous et l'argent pour l'église, ou, et bah, nous sens de responsabilité, Seigneur Dieu, parce que c'est vrai, ou pas besoin l'argent, mais l'église a besoin l'argent pour mortgage à payer, pour l'église la clean, Seigneur Dieu, vous et l'argent, aidez-nous pour nous investir la car, à tout cœur, nous, à tout homme, nous, à tout l'esprit, nous, Seigneur Dieu, nous disons merci pour tout soif, fait pour parole vivante, Seigneur Dieu. Papa, c'est mes pays côté na vivre, là, nous lever le bas. Si mes pays, nous, Haïti, on connaît pas grand, on pas qu'à faire, quel que soit l'allié, on délivre nous quand même, papa, et délivre ça, on fait l'exécuter quand même. Et n'a pas bon gloire, n'a pas tout, merci, laisse ça faire, n'a tant nous, Seigneur Dieu, parce que pas que tout le monde a pris le wap, dit un mot quand même, Seigneur Dieu. Faut qu'il y ait un mot qui dit, me lever chaque pasteur.
pasteur yo, Seigneur Dieu qui gagne réveil la caillou mando va béni yo chaque pasteur qui gagne projet pour acheter un building Seigneur Dieu. Aidez-nous l'Éternel les amis, parce que Seigneur Dieu yo besoin. Oui, faut que nous réunions côté, nous pas calage quand couti pour le sang gado. Oui, faut que nous gon mettre chaque pasteur qui gagne fidèle yo qui ensemble avec yo, bah nous sans responsabilité pour nous supporter, encourager pasteur yo l'église yo, parce que Seigneur nous pas payer, nous pas gon comme nous pas pas moi pour camper devant nous, pour appuyer nous, pour former nous, papa mando. On va faire autre pour yo, bah plus connaissance et élargir connaissance yo plus toujours pour yo faire l'évangile aller plus loin, parce que Seigneur grand pile côté grand pile monde qui pour content de Seigneur Dieu, grand pile monde qui tente de parler de Jésus qui pour connait on mando va faire grâce. Fais donc grâce Seigneur Dieu, me lever chaque visite, kap koute nou, Seigneur Dieu, qui en bas live là, ça qui est problème, ça qui pas travail, ça Seigneur Dieu qui gon douleur, ça Seigneur Dieu qui a tristé, m'pote yo ba ou, pour que j'aime gen moun qui prend décision, pour yo entrer dans présence sous Seigneur Dieu, nous souligne dans l'Éternel des amis, présence Saint-Esprit là, quel que soit côté à, ou là, dans maison, moun kap tan de service là, mando, ou va di la paix avec yo, ou va kote la joie pour yo, et comme ça, Seigneur Dieu, yo va gen un sujet de témoignage. Moi qui pour yo, pas pour yo, tant bon, Jésus, petit tout qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, sœur Lavanette Oscar, pour cette prière. Le pasteur Kepler Joseph, notre confrère, les gains pour la lit pour nous dans Proverbe chapitre 17, du verset 1er jusqu'au verset 16, dans quelques instants encore. Mais en attendant, écoutons ça, mesdames et messieurs. Thank you.
Comme annoncé à mes téléspectateurs, à mes auditeurs, écoutez, fais silence dans nos cœurs, tandis que l'homme de Dieu, notre confrère, le révérend pasteur Kepler Joseph, va faire cette lecture, Proverbe 17, 1 à 16. Proverbe 17, 1 à 16. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Le serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre unique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outraille celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit de malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, ou bien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se trouvent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche à l'amour, et celui qui la rappelle de ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le monsieur ne cherche plus révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre d'une ours privée de ses petits plutôt que les censés pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juif sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent de la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Kepler, pour la lecture de la parole de Dieu. Continuez de rester branchés sur Parole vivante dans l'air.
Avec cette note combien mélodieuse, solennelle, n'a pas approché non du trône de la grâce de Dieu dans la prière. Cette fois-ci avec notre sœur, la sœur Lorraine Léon, qui peut le prier pour non seulement pour paroles vivantes, mais qu'à prier spécialement dans le moment ça pour Haïti. Et le Seigneur commence à faire joubarrer assassin yo. Le Seigneur commence à la confusion dans camp yo. Le Seigneur commence à la panique dans camp criminel yo. Alors, nous besoin pour le Seigneur faire yo prendre la fuite par sept chemins pour yo courir pour bandits, pour yo tomber dans trou. Écoutez bien, pour que le Seigneur lui fait justice, parce qu'il c'est le Dieu de justice, et pour le bail enfin la paix à ce peuple aux abois, qui est victime d'un complot national et international, et qui a fait face avec toutes sortes de gangs internationaux dans la communauté internationale, gangs nationaux avec des vassaux, des apatrides. Écoutez, priez pour notre peuple, la sœur Lorraine. Bon Dieu, commencez, c'est le cap fini, parce qu'il c'est l'éternel. Mon Dieu, béni soit l'éternel, mon rocher, qui est versé les mains au combat, les droits à la bataille. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Shalom, roi des rois, Papa nous qui nous saluons. Nous bénissons, oh, Seigneur, nous exaltons, nous les yeux bien haut, et nous-mêmes nous couper, pour nous venir adorer, pour nous venir remercier, pour nous venir battre gloire, pour nous accueillir, pour nous mériter. Oh, la vie, ou bien nous toujours, Seigneur, nous, elle a respiré. C'est grâce à nous-mêmes, et toujours campé pour nous chaque jour, dans chaque minute, dans chaque seconde, Seigneur, pour bataille, pour venir maintenant là, pour prendre tout danger, alléluia, gloire, pour prendre tout malheur, Seigneur, pour capable nous la vie, depuis matin, Seigneur, pour te prendre soin, nous. Mais où t'es fini, levé, non, endormi. Seigneur, où t'es marché avec nous, monté, descendre. Ah, où c'est mon frère de sécurité. Seigneur, où toujours là avec nous. Ou pas quitter nous, ou pas jamais quitter nous. Nous disons merci parce que vous êtes un homme fidèle. Merci, cher Seigneur, pour belle journée, ça, où t'es fait nous passer. Et non, moi, ça qui t'est pas arrêté, non, laisse ça, rendre de l'univers dans juste ça, où. Toujours là pour nous capables d'adorer, en étudiant vérité, Seigneur. Merci pour vos possibilités. On toujours bail avec nous chaque chef, Seigneur. Et surtout pour ces vidéos, pasteur éternel des armées. Nous mettons en endurance, patience et santé, toute qualité provision qui est capable de faire que réunion capable possible. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Merci pour. Et d'agrandir les lignes, les lignes, tout. Et merci pour chaque serviteur, c'est votre qui est temps, qui prend appareil, Seigneur, pour nous capables de faire service ça ensemble. Grandir les lignes, nous remercions pour possibilité ça ou à nous. Nous demandons pardon pour pécher nous, pour faute nous, et nous va dire, nous va bon parce que là, nous pensons faire bien. C'est mal là qui vient, Seigneur. Mais où toujours supporter nous, Seigneur. Même là où pas, on va dire qui est tolérant. Mais aussi, on va dire qui a patience. Père, où protéger nous. Merci parce que nous venons devant avec pour faire de péché nous. Ou laver, ou pour nous marquer, ou pas de son péché. Ou capable de nous faveur pour nous présenter dans le service ou encore, Seigneur. Merci, grand Dieu, pour chacun de nous. Et nous. Carboniser nos détails, éliminer tous les esprits qui parlent le monde, adorer, qui parlent empêchement, nous lier, on a des arrivés.
On nous déclare échec pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est censé ne pas au Seigneur. Nous bénissons. Nous les sages, mon Dieu, nous toujours dire merci. Merci pour chaque chrétien, parole vivante, éternel Dieu tout-puissant. Nous tous connaissons. Nous bénissons, Seigneur, nous connaissons. Nous bénissons, nous c'est vous-même, Seigneur, qui met nous, qui t'es créé, nous, Seigneur, nous disons merci. Et ou connaît caille nous connaît qui côté nous et dans qui endroit nous essayer ou capable visiter chacun de nous dans moment ça c'est et papa aller que nous craser c'est ou même c'est qui capable consoler nous c'est ou même qui gagne solution avec tout problème nous gagne éternel Dieu tout puissant ba nous force pour nous capable résister parce que nos paroles c'est ou te dit nous et a gagne moment difficile qu'a venir et vraiment vrai c'est nous vrai moment difficile yo. Alléluia, gloire. Vous commencez, Seigneur éternel, mais vous dites dans les salles, c'est pour nous prier plus, pour nous être capables de plus force. Papa, nous pas de force, nous, non, mais nous connaissons ce que vous dites, ça. C'est une réussite, éternel Dieu, trois fois. Nous avons une force dans la faiblesse, nous, grand Dieu de l'univers. Grâce à tout complot, faiblesse, pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour parole, loi. Réaliser dans la vie, nous avons Dieu, pour nous avoir force devant toute qualité mauvaise nouvelle. Seigneur, pour ne pas faire nous rien. Alléluia, gloire. J'en vous dis, Seigneur, pour nous capables de jambes devant mauvaise nouvelle, Seigneur, pour ne pas craser le cœur, nous pour ne pas laguer nos têtes, pour ne pas voir nous dans mon corps, pour ne pas voir nous dans ce métier sans l'aide, nous pour corriger. Grand Dieu, permettez-moi, s'il vous plaît, avec pouvoir puissant cet esprit, pour nous capables de résister devant vous, grand mon Dieu. Nous vous remercions pour chaque chrétien parole vivante parce que vous pouvez sentir des Jean-Baptiste là, Seigneur, pour nous assurer, pour nous capables de sentir nous et pour nous capables de être ferme. La présence de la caille, où c'est à parole, n'a pas résisté, grand mon Dieu. Et on connaît tout projet, parole vivante, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous remettons dans la main, c'est nous-mêmes celle qui solution. Nous demandons au conseil, ou à bon ou bon conseil. Oui, c'est vrai, Seigneur, c'est nous-mêmes qui avons un bon conseil. Nous avons besoin de conseil, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'assistance, grand mon Dieu. Nous ne pouvons pas faire ça, nous-mêmes, nous voulons faire. Avec vous, cher Seigneur, permettre que le projet soit capable de réaliser l'éternel Dieu trois fois saint avec vous. Après ça, nous avons eu gloire, projet louange, exaltation, ou même celle mérite qui te créé nous, pour nous capables de faire gloire, Seigneur. Soyez à grand mon Dieu. Alléluia, gloire. Nous connaissons aussi un bon papa, et qui t'a couru un maman qui vient de travailler. Capote bébé, c'est ou bien cap accoucher bébé, ou bien qui gagne bébé. Non, c'est bon Dieu, c'est comme ça. Nous connaissons où c'est un papa, où c'est un moment tout. L'éternel Dieu tout qui sent tellement ou bien qu'est sensible. Père, assoyez à la pote, pays nous, bah où c'est un apote peuple, bah où peuple haïtien, pays d'Haïti, l'éternel Dieu tout qui sent. Depuis là, nous sommes tout petits. Alléluia, gloire à nous, tu pays a été un bel nom. Hier, bel soleil t'a plevé, alléluia. Et tout le monde est content pour te aller manger pays, pour te aller boire de l'eau pays. Hier, chaque monde est content pour te aller voir côté Haïti, ça c'est deux trois fois c'est. Père, mais qu'on y a, nous pas ouais Haïti, c'est nous pas ouais Haïti, nous espérer Haïti, mais nous pas ouais Haïti, nous pas qu'à dire. Seigneur, il mourit. Nous pas qu'à dire il est en coma. Nous pas qu'à dire qu'il non, nous pas qu'à joindre pour nous balir pour être la traversée, pour situation la traversée, pour moment difficile la traversée, pour faire noir tomber sous lui, Seigneur, pour assassin, fin assassiner qui finit déchirer la grand mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Ah papa, nous sentons vraiment abattis dans nous sommes ça, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes vraiment sortis, nous avons trahi, nous pas capables encore, Seigneur Kembe. Allez voir, Seigneur, pour vous-même qui ont monté, qui ont quelque chose qui pas qu'à garder, bagaille qui mal, qui pas qu'à supporter méchanceté, Seigneur, grand bon Dieu. À ce moment-là, nous venons porter toute méchanceté, ou pas où, grand bon Dieu, ou connaît, ou c'est où, qui créateur, Seigneur, ou pas créé, ou pour tout mal, ça, ou à cause d'ignorance.
Seigneur, à cause de désobéissance de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, faire arriver, grand mon Dieu. Mais nous demandons un contrôle, Seigneur, parce que nous connaissons ce grand mon Dieu qui a toute capacité ou pas mesurée, ou qui a fait tout bagaille à merveille, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Même Jean, un papa bon Dieu, pour patience avec Israël, ou t'es toujours à aider l'ICR pour sortir dans la situation, jusqu'à on t'a retiré la Seigneur. Dis un mot dans le moment Israël, ou qu'on a parlé avec peuple ou avec serviteur, Seigneur, pour dire, mais qui ça qui nous fait, mais qui ça qui pas nous fait, Seigneur, même quand vous parlez avec les païens, nous ne pouvons pas attendre parce que nous ne pouvons pas mettre les oreilles, nous allons coup de voix, Seigneur, pour nous entendre. Mais nous demandons en grandeur, Seigneur, pour faire une intervention, s'il vous plaît, l'Éternel des trois fois saint. Tant pis, papa. Mando grâce, là, mando pardon, nous connaissons grand pile péché, grand pile crime, Seigneur, grand pile crime, en pile sans couler, en pile sans couler, en pile dévasté, en dévasté, Seigneur, mon Dieu, papa, nous pas qu'à garder bagaille ou encore avec Dieu, nous-mêmes qui ont l'homme, si tellement bagaille grave, mon Dieu, mais nous connaissons nous-mêmes qui vont porter solution en Jésus, ou bien solution pour problème ça, pas plus faut passer, ou, Seigneur, problème ça, l'Éternel Dieu tout puissant qui représente ya, bandi, apprend les âmes passer par là, comme ça, Seigneur, ou papi, faut passer, ou zami, ou papi, faut passer, ou parce que c'est pas zami, non, c'est qu'a fait moun gen bataille là, c'est pas oua, c'est qu'a fait moun gen bataille là, mais c'est ou même qui est l'Éternel des armées, qui est le roi des rois, qui est le Dieu tout puissant, qui est tout moyen yo, qui gagne tout accès yo, Seigneur Dieu. C'est là où nous confions, Seigneur. Même les gens qui pas compter sur vous. Les gens c'est sur magie, ils comptent, c'est tout. C'est sur l'autre bagaille, ils comptent sur le soleil, là, sur la lune, sur l'étoile, yo, Seigneur. Mais nous-mêmes qui comptons sur vous, fais-nous grâce, non, s'il vous plaît, cher Seigneur. Dis un mot, non, papa, s'il vous plaît. Edmi sa ou ki pon Dieu sou tèt nou comme ça. Edmi sa ou c'est ka pote méchanceté sa ou à l'Éternel de tout puissant. Moun sa ou y a utilisé à Père. Coupe contact sa nou s'il vous plaît l'Éternel des armées. Délivre le pays à nous bon Dieu. N'a pas ouais c'est ou même qui bon Dieu c'est. N'a dou merci. Si papa, il a dit côté bon Dieu nous on a dit oui bon Dieu nous on dans le ciel là il travaille, il travaille et puis pour nous c'est nous même qui bon Dieu nous t'a prié depuis longtemps c'est tant que s'il vous plaît papa, comme écrit nous tant de rel nous non, tant de rel si mon petit yo, tant de rel jeune fille, tant de rel jeune garçon, tant de rel grand monde nous qui gagne l'âge qui pas d'accord supporter Freddy encore, tout les qui dans la rue qui à terre. Oh Seigneur, nous campons là. Que nous glorifions, que nous louons, que nous exaltons, que nous bénissons, Seigneur. Chapeau bas pour vous-même, qui m'ont dit, qui est gros poète là, Esaïe 41, verset 10 là, qui va chambre de bataille là, alléluia, gloire. Comptez sur nous, nous merci. Seigneur, nous connaissons dit un mot quand même, même l'air Jésus de Nazareth, Jean. Daniel te dit, même si vous n'avez pas délivré, les papes mettez à genoux devant Job, la CE, devant Baal, l'Éternel, les papes disent bon Dieu, là, pas bon Dieu. C'est comme ça qu'il y a un pile dans nous-mêmes tout. N'a mettez pasteur Jacques en premier, n'a mettez pasteur nous en deuxième, et qui se fait les tiens, c'est moi-même, moi en troisième, et tout le monde nous demande pour nous dire non, nous. Pap di bon Dieu nous on pas bon Dieu ni nous pap maudit Haïti encore nous pap di Haïti pas délivré la prend bénédiction nous pour nous dire oui bon Dieu qui dans ciel là qui sous la terre qui tout partout qui existe depuis tout temps qui a toujours existé a li ka délivré Haïti nous comptons sur en pile Seigneur nous dis merci Jéhovah Shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Lorraine, pour cette vivifiante prière en faveur de notre pays, qui est la proie des gangs, des bandits à cravate, costumés,
dans gros bureau dans communauté internationale dans gros palais à travers le continent qui a appuyé méchanceté a mis des pieds sous coupe peuple ça qui besoin de lumière qui besoin boiti de l'eau qui besoin respirer mais au sans pitié parce que au besoin prend ça dans le pays qui en bas sous sol nous comme richesse yo veulent vider pays a puis au cap entrer pour faire pillage mais nous connaît notre rédempteur est vivant et c'est lui qui a le dernier mot. Restez branchés, mesdames et messieurs. Viva la mioté, cabelle, c'est la belle enfant, et puis ça, vous remettez, vous remettez. Genèse chapitre 3, le verset 15. Galates chapitre 4, le verset 4. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates chapitre 4, verset 4 à verset 5. Pour le vainqueur, pour aller à l'île, pour aller par le vainqueur.
Merci maman, 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 yes. Bien sûr, Jésus, c'est Siro. Mesdames et messieurs, soyez en entrée dans une nouvelle période dans notre série sur la philosophie biblique de l'histoire. Bien entendu, nous sommes au quatrième chapitre, le conflit depuis la captivité babylonienne jusqu'à l'ascension de Christ. Nous avons déjà analysé avec vous la captivité babylonienne, la période perse. Et la fois dernière, notez-vous avec vous la période grecque et assoya les débuts de la période romaine. Voilà donc le titre pour ce soir. Les débuts de la période romaine, la vie et le ministère de Jésus-Christ. Nous t'ai trouvé la fois dernière, chers amis, que bon Dieu, l'était utilisé les Grecs de façon majestueuse. L'était utilisé les Grecs. Notez-moi pour vous que la Perse l'était servie de l'objectif de Dieu. L'était arrivé procéder à la restauration et le rétablissement des Juifs dans leur patrie. Nous t'ai continué, chers amis, pour nous t'ai poursuivre cette série. Écoutez, nous t'ai fini par arriver dans la période en grec. Écoutez, nous t'ai ouais que bon Dieu, là, t'ai fini servi avec la Perse, hein? L'élite fine utiliser la Perse parce que c'est lui-même l'Éternel. Eh bien, on l'autre bagaille nouveau, l'Étapral fait, chers amis. L'Étapral susciter un autre empire. L'Étapral susciter les Grecs. C'est dans le contexte ça, nous avons analysé avec vous la période de Grèce ou la période grecque. Nous avons ouais, hein? 334 avant Jésus-Christ, l'Empire perse était envahi par une armée gréco-macédonienne sous la conduite d'Alexandre le Grand. Notez, ouais, en 331, la Perse ou la Perse était entièrement conquise par le nouvel empire grec. Mais bon bagaille qui passait, cet empire grec que bon Dieu était utilisé, il t'a pris le fond bagaille spectaculaire avec lui. Donc, notez voir comment Alexandre le Grand était poussé, armé lio, soldat lio, pour aller vers l'Asie, n'est-ce pas, vers l'Orient, aussi loin que la province Punjab en Inde. Et Alexandre le Grand a mobilisé l'armée à part troupe pour te porter, hein, pour te marcher vers l'Orient. Et un pile monde t'est établi, yo, en période là, le Seigneur il fait. Il t'est fait un pile soldat grec, un pile officier grec établi, yo, parce que yo t'est démobilisé. Il t'est fait, arrivé épouser des femmes autochtones. Était épousé des femmes orientales, n'est-ce pas? Et puis là, il était levé famille. Méthode ça que bon Dieu
été facilité qui réalisé, il était un résultat extraordinaire. Quel est ce résultat? C'est que une langue, une culture commune qui t'a établi de l'Orient en Occident et vers l'Égypte au sud. Et c'était la langue grecque, c'était la culture grecque. Eh bien, chers amis, ici, nous faisons une récapitulation ça pour capable mieux saisir ça nous pourra le dire pour vous ce soir. Eh bien, la Grèce, de son côté, une fois que l'était atteint objectif que bon Dieu était fixé pour lui, parce que vrai objectif là, c'était pour que culture grecque ça l'était éparpillé dans ses régions orientales, dans son pour de l'Inde jusqu'en Égypte, n'est-ce pas? Eh bien, il était éparpillé dans cette zone asiatique, pas vrai? Alors, objectif ça, une fois, n'est-ce pas vrai, atteint, parce que c'est bon Dieu qui fixe l'objectif là pour, n'est-ce pas vrai, la période grecque, pour la Grèce, pour le capable atteindre le monde autour de la Méditerranée avec un seul langage. Parce que la Grèce, c'est un grand Orient, une grande puissance. La Grèce, c'est le bastion de la culture hellénique. La Grèce, c'était un porte-étendard de la lumière académique, de la lumière intellectuelle. La culture grecque, la langue grecque, de dominer la zone, n'est-ce pas? Eh bien, la Grèce, chers amis, t'as parlé, fait un exploit extraordinaire, dans le sens que l'Anglien t'a parlé, fait tache d'huile dans la zone ça, et que tout le monde t'a parlé trouver une nécessité pour parler la langue grecque. Et surtout que les soldats grecs ils ont été démobilisés et puis ils ont pris mesdames yo dans zone orientale là pour être capable épouser yo puis ils viennent gagner famille et puis pour langue continuer faire cousli. Eh bien plus tard langue ça t'a pral faciliter la propagation de l'évangile. Voilà donc l'objectif de Dieu. Bon Dieu, t'es vrai que objectif que l'évangile propagé, l'évangile est parpillé et c'est ça qui va le passer. Cette langue grecque, il va faciliter la propagation de l'évangile et des écritures du Nouveau Testament. Lorsque l'empire grec là fin accompli service lui, Jean bon Dieu dans sa science, dans sa souveraineté, dans son grand pouvoir, l'itévléli, eh bien, la Grèce va tomber. Pas vrai? Nous songez Alexandre le Grand. Après, il finit conquérir le monde. À l'âge de 20 ans, monsieur monté au pouvoir comme empereur. Un empereur extraordinaire. Un bouc incomparable. N'est-ce pas? Eh bien, à 33 ans, monsieur Pral tombé. Monsieur te prend pouvoir à 21 ans. À 33 ans, c'est-à-dire après 12 ans de pouvoir, monsieur a tombé de façon spectaculaire. Et là, monsieur tombé, nous songeons que l'empire monsieur a pral divisé, pral gain 4 grands généraux qui pral aller prendre pouvoir, mais yon n'est pas capable équivalent à ça Alexandre le Grand l'était représenté. L'Empire grec, une fois qu'il fin accompli service li, que bon Dieu te mette dans calendrier pour l'accomplir, c'est bon Dieu qui monte pouvoir, c'est bon Dieu qui baille mon position, c'est bon Dieu qui met mon chef, c'est bon Dieu qui descend mon. En chef te met fréquent coulpe fréquent, arrogant coulpe arrogant, c'est tout un bon Dieu pour qu'on leve ti droite li. Et pour chef la monter en dignité, pour
conquérir le pouvoir, c'est bon Dieu pour faciliter sa fête. Parce que li bay pouvoir à moun livlé, il prend pouvoir dans men moun livlé. Et en général, il dit que un peuple toujours gagne pouvoir au gouvernement qu'il méritait. Alors, dans le contexte ça, Alexandre le Grand pral tomber malgré lui. Comme un coup d'éclair, monsieur pral disparaître en sainte fièvre, pral poté monsieur aller et monsieur perdu en pire là. Quatre généraux pral prend. Eh bien, personne pas capable arriver dans dimension Alexandre le Grand. Donc, une fois que la Grèce tombée, li pralé gagnon l'autre puissance qui pral monter sous le coup. Hein? Donc, c'est l'Empire romain, la Rome. Voilà pourquoi ce soir, le sujet c'est le début de la période romaine et puis on donne nous pral la vie et le ministère de Jésus-Christ qui pral dominer entièrement toute cette période, chers amis. En 63 avant Jésus-Christ, la Palestine fut soumise à la domination romaine. En 63 avant Jésus-Christ. Et finalement, les Romains, ils ont pral nommé Hérode le Grand pour être leur roi en Judée. La Rome pral nommé Hérode le Grand pour que c'est lui-même qui régnait comme roi en Judée et ça pral commencer régner en 37 avant Jésus-Christ. La vie et le ministère de Jésus-Christ, hein, comme une bagaille, élément extraordinaire, significatif des débuts de la période romaine. Même si Satan t'a essayé à plusieurs reprises, soit pour te détruire Israël, soit pour te pousser à une apostasie totale, pendant des siècles de l'Ancien Testament, songez bien, nous définit pour vous apostasie à maître prise. Apostasie, c'est le fait de faire défection. Apostasie, c'est le fait que ou abandonner lumière pour embrasser ténèbres. Apostasie, c'est le fait que ou abandonner la vérité pour embrasser le mensonge. Apostasie, c'est le fait que ou abandonner, n'est-ce pas vrai, lumière pour prendre ténèbres. C'est le fait de faire défection, c'est le fait, n'est-ce pas vrai, d'abandonner Dieu pour embrasser le diable. Apostasie, c'est le fait de se plonger corps et âme dans l'idolâtrie, n'est-ce pas vrai? Apostasie, c'est le fait que ou mettre bon Dieu de côté, ou mépriser bon Dieu et puis pour lever Baal bien haut. Apostasie, c'est le fait que ou quitter le temple de Dieu pour embrasser le paganisme, ou quitter bon Dieu de côté pour servir diable, pour servir les dieux ancestraux, pas vrai, pour servir les idoles, pas vrai, ça c'est l'apostasie, c'est abandonner la foi, c'est abandonner la saine doctrine. Eh bien, Israël, chers amis, Satan est un projet. Satan essaye à plusieurs reprises pour détruire Israël, ouais, ou bien pour détruire Israël littéralement, ou bien puisque le paca détruit littéralement, mais pour le plonger lui, pour le faire tomber dans une apostasie totale, ça veut dire pour le quitter bon Dieu. Israël c'est le peuple de Dieu et en pile fois, nous Israël abandonné bon Dieu pour la servir, n'est-ce pas vrai, faux Dieu, bagaille que bon Dieu interdit, n'est-ce pas vrai, ou pas de gain l'autre Dieu devant la face de l'Éternel. L'Éternel son Dieu jaloux, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est commandement l'Éternel libre à Israël, hein, parce que Israël c'est peuple bon Dieu, mais Satan poussait Israël en pile fois pour le tomber dans l'apostasie, pour l'adorer loi, pour l'adorer les idoles, pour l'aller en quelque sorte culte à Baal. Eh bien, bon Dieu pour le préserver continuellement et on reste fidèle de son peuple. À chaque période, à chaque moment qu'Israël tombait dans l'apostasie, donc Satan pas capable plus malin que bon Dieu. Satan pas capable plus intelligent que Dieu. Non, bon Dieu passe en vitesse, l'y conserver
continuellement yon reste nan pep Israël la ki resti fidèle à l'Éternel. Finalement, grâce à une jeune fille qui lui-même s'était membre de ce reste, ce faible reste, eh bien, grâce à cette jeune fille, eh bien, Rédempteur la pral paraître. Rédempteur ça a, li pral né, à savoir Jésus-Christ. Aussi, la Bible dit, dans Luc chapitre 1er, verset 26 à verset 33, la Bible annonçait, n'est-ce pas vrai, qui Jean bagay ça a, li pral fête. Un ange annonça à Marie que son bébé devrait être appelé Jésus, le fils du Très-Haut. Hein? Que l'étape recevoir le trône de son père David et gon royaume qui t'apprend le durer à toujours. Nous venons ça dans Luc chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 33. Luc 1er, verset 26 jusqu'au verset 33. Hein? Il fait connaître que il y a un ange qui t'apprend annoncer à Marie que Timon n'est pas le fait. Là, qui n'a vente l'IA, qui pral fait là, l'état doué relé Jésus, petit très roi. Et puis, l'état pral recevoir le trône de son père, David, et royaume ni ta va durer pour toujours. De fait, Jésus pral prend naissance. Jésus pral prend naissance vers 5 ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Entre 5 ou 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est dans la période ça que Jésus va prendre naissance. Pas vrai? Donc, alors que lorsque tant y était accompli, la Bible dit, dans Galates chapitre 4, verset 4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé le Rédempteur né d'une femme. Galates 4, verset 4. Exactement, l'été promette-lui déjà en Genèse, chapitre 3, le verset 15. C'est la promesse là t'est faite pour la première fois. Dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Donc, petite femme n'a gon bagay, li pral fait. La Bible dit, l'Éternel dit, m'pral mette inimitié entre postérité par et postérité femme nan. Voyez, côté Jésus, côté bon Dieu pral annoncer la naissance du Rédempteur, hein? C'est Genèse chapitre 3 verset 15. M'a metté inimitié entre ou même et femme nan, entre postérité ou et postérité femme nan. De qui il est question ici? Il est question de Satan le diable, le serpent, pas vrai? Jésus dit, l'Éternel dit, la mettez inimitié entre ou même serpent et puis femme nan. Donc serpent, c'est le diable, c'est le dragon rouge. La mettez inimitié entre postérité et postérité femme nan. Postérité ou postérité femme nan, pral gen inimitié. Pas vrai? Eh bien, postérité femme nan pral krasé tête ou. Et les mêmes postérité Satan pral blesser postérité femme nan dans talon. Et ça fait lorsque nous arrivé à la croix qu'on bagay qui passé. C'est que Jésus crasé la tête du diable. Tête diable a crasé lorsque Jésus montait la croix et puis il mourit. Et puis diable bon côté pas li piquer Jésus au talon. Parce que là où t'es fourré couronne piquant sous tête li, là où t'es cloué le sang coulé, c'est diable qui balance coup de dent au talon. Mais lui-même li crasé tête li. Et c'est ça la Bible li explique pour nous, chers amis. En dépit de ses efforts nombreux et forcenés pour empêcher le Rédempteur d'arriver, Satan pral rater buli. Yes, Satan t'est raté buya. La personne qui était pour l'histoire la clé de la réalisation de l'objectif divin, maintenant l'issue sur la terre, Jésus-Christ né, Jésus-Christ fait. Il était revêtu en corps humain,
Il te met ton corps humain sur l'île Felmoun. Il revêtit un corps humain pour le capable expier le péché de l'homme par son propre sacrifice substitutif. Donc, il était accepté mourir à la croix pour être capable expier péché nous. Et avec propre sacrifice pâle, qui sont sacrifices substitutifs dans le sens que il mourir à notre place. Il mourir à notre place pour être capable écraser Satan, pour être capable écraser les œuvres du royaume du diable. D'après Jean, chapitre 1er, verset 1er, verset 14, verset 29. D'après Hébreu, chapitre 2, verset 14, chapitre 9, verset 26. D'après 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Il est revêtu d'un corps humain pour être capable d'expier le péché de l'homme par son propre sacrifice substitutif, pour être capable d'écraser Satan, et pour le capable aussi détruire les œuvres du royaume du diable. Maintenant que Rédempteur l'a livini, eh bien, Satan, qu'on y a pour aller gon l'autre cible, Satan pour aller gon l'autre target, Satan pour aller gon l'autre objectif. Qui pour aller objectif, Satan? Parce que tout ça le fait pour Rédempteur n'a pas de vini, mais Rédempteur qui vini, il est né, il est sur la terre. Pas vrai? Eh bien, Satan, li pour aller gagner pour cible, pour objectif, pour empêcher Jésus mourir comme substitut. Satan pour aller jouer pieds et mains pour le si Jésus pas ta mourir comme substitut, pour pas ta arriver établir le royaume théocratique de Dieu. Tout d'abord, li pour aller essayer plusieurs fois pour le faire Jésus disparaître. Pour que Jésus-Christ capable terminer travail li vin faire pour que travail là pas arriver réaliser. Li pral faire des tentatives pour voir s'il a fait disparaître Messie pour le ta capable voir s'il t'a empêché lui pour l'arriver terminer travail li vin faire. Peu de temps après la naissance de Jésus à Bethléem, qui s'est passé? Le roi Hérode lui ordonné le massacre de tous les petits enfants dans cette ville. Voilà donc une tentative du diable. Voilà donc une entreprise du diable. Voilà donc un essai que le diable va le faire pour voir s'il a disparaître Messia, s'il a disparaître Jésus, pour œuvre à pas ta accompli. Donc, puisque il fait tout ça possible pour voir si Jésus pas ta fait, Jésus fait. Mais Satan par exemple chômé. Il est têtu. Alors, dans sa ténacité, Kounyelal pral formuler une nouvelle stratégie parce que il est rusé, il est malin. Eh bien, même côté tout timonio, même côté Jésus fait là, quelques temps après, un petit crasse temps après, eh bien, yo pral prend un décret, le roi Hérode pral prend décret parce que le roi Hérode c'est un suppôt de Satan, c'est un instrument entre les mains de Satan, le roi Hérode dans son figure de l'Antéchrist, n'est-ce pas? Eh bien Hérode, il pral ordonner pour yo massacrer, pour yo éliminer, pour yo tuer tout petit monde qui fait fête dans ville là. Dans un effort pour supprimer le nouveau roi davidique. Non, effort pour supprimer que nouveau roi qui sortit dans lignée David là pour pas arriver continuer œuvre. Matthieu chapitre 2 le verset 16. Eh bien, ou pas capable prend bon Dieu ni par surprise, ou pas capable prend bon Dieu dans complot, ou pas capable gain plus vitesse que bon Dieu, ou pas capable plus intelligent que bon Dieu, ou pas capable plus fin que bon Dieu. Eh bien, le Seigneur, il pas rester indifférent. Bon Dieu pral contrer cette action du diable, côté il pral prévenir à l'avance le beau-père du Rédempteur de fuir avec lui en Égypte. Bon Dieu pral passe en vitesse. Bon Dieu pral avertit Joseph qui c'est beau-père Jésus parce que Joseph à ce moment-là, c'était le fiancé, n'est-ce pas vrai, de Marie, Jésus fait par l'opération du Saint-Esprit, eh bien, Joseph, il vient beau-père Jésus,
puisque Marie, c'est Madame Joseph. Eh bien, le beau-père de Joseph, de Jésus, le beau-père du Rédempteur, pralé joindre avertissement de la part de l'Éternel pour quitter zone là et puis pour partir, pour fuir, pour courir, pour aller en Égypte. Matthieu 2, 13 à 15. Lorsque pour la première fois, Jésus l'a prêché aux habitants de sa propre ville, il était tellement écoutez bien, monsieur Damio, Mounsayo, il était tellement furieux. Satan pral influencer yo. Il est tellement furieux. Il est tellement campé en travers sur route Jésus parce que il était vinn petit troupi dans main Satan, il vinn n'est-ce pas vrai petit jouette dans main Satan. Satan pral utiliser pour révolter contre Jésus. La Bible dit il est tellement furieux lorsque Jésus, n'est-ce pas vrai, t'a prêché yo, hein, dans propre ville côté le fait là, eh bien, yo essayé pour tuer Jésus. Tout ça, c'est démarche diable. Tentative l'a fait pour tuer Jésus, pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Nous venons ça dans Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 29. Eh bien, Jésus pral contrecarrer cette tentative du diable. Il pral traverser foule là de façon miraculeuse et ceci indemne. Hein? Ça veut dire sans le pagon qu'un petit cocher, sans grain de cheveux dans tête li pas tomber. Foule là campé en bandition avec roche yo nan main yo pour yo lapider Jésus, pour yo tuer Jésus sous l'influence du diable, là, c'est diable qui entre dans tête yo, c'est diable qui a utilisé yo pour essayer yo ta tuer Jésus. Eh bien Jésus, par son vitesse supérieure, lui contrecarrer cette tentative, écoutez, lui traverser foule là de façon miraculeuse, et puis le traverser sain et sauf. Nous venons ça dans Luc 4, verset 30. Au cours, n'est-ce pas vrai, de deux autres occasions, Juif yo pral fait tout ça possible pour yo lapider Jésus. Pendant deux autres occasions, ils ont fait tout ça possible pour lapider Jésus, mais Jésus échappé dans mitan yo. D'après Jean chapitre 8 verset 59, d'après Jean chapitre 10 verset 31 à verset 39. C'est vrai? Eh bien, Jésus-Christ le Messie te reconnaître que atteinte sa yo que yo t'as essayé fait à la ville, attentat sa yo que yo t'as essayé fait sous lui, c'était le royaume du diable même qui était campé derrière elle. C'est diable là même qui t'a bué pieds et mains pour le voir s'il a effacé. C'est diable là même qui t'a bué pieds et mains pour le voir s'il a disparaître, pour ne pas accomplir mission qu'il vient accomplir. Dans le sens que pour la mourir à la croix, dans la place l'homme pour le sauver nous. Nous jouons ça dans Jean chapitre 8. Verset 37 à verset 47, qui n'a pas tête nous le doigt pour nous lire pour vous et puis pour nous terminer là. C'est vrai? Donc, Jésus reconnaît toute tentative ça y est, tout attentat ça y est, toute atteinte ça y est, que diable a fait pour le voir si y'a t'a tué lui. Hein? Jésus utilisé pour un juif y'a pour le voir ce qui j'en pour y'a t'a tué Jésus, wash y'a nan men y'a. Pour marcher sur Jésus, pour lapider Jésus, pour essayer de tuer avant la lettre. Eh bien, chers amis, Jésus, bon côté pâle, li pralé contrecarrer, li pral reconnaître ça, et puis il pral plaquer dans figure même. Jean chapitre 8, verset 37 à verset 47. Qui ça lui dit? Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous me cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Voyez, il y a deux papas ici, le père de Jésus-Christ et le père de ces Juifs qui avec Washodan Meo pour lapider Jésus. Alors, c'est pas même père.
Écoutez, Jésus dit, je dis ce que j'ai vu de mon Père. P majuscule. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. P minuscule. Donc, le Père de Jésus, c'est l'Éternel des armées. Et le Père de ces Juifs corrompus, instrument dans la main du diable, c'est le diable. Eh bien, Juifs pour le répondre, Jésus, ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, Juifs furent à répondre Jésus, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu, et après clamer ses petites bon Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon témoignage, mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ah, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà donc Jésus-Christ signifié à ces Juifs qui gagnent roche dans main yo pour touiller Jésus, pour lapider Jésus. Jésus dit yo noir sur blanc que c'est papa et au diable qui fait ça. Et de fait, il n'y a pas de Dieu, il y a du diable. Il y a gagné pour père le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà donc la déclaration de Jésus-Christ à ces Juifs qui ont même tévelé détruit la ville pour être capable d'accomplir les objectifs de Satan à son encontre pour empêcher pour d'aller à la croix pour le bannir la vie. Assoya, chers amis, qu'on questionne à poser vous. Qui est-ce qui papa? Qui est votre père? Est-ce que Dieu est votre père? Ou le diable est votre père? Il y a deux papas. Il y a un papa bon Dieu dans le ciel là. Il y a un papa diable. Si vous acceptez Jésus comme maître et seigneur de votre vie, si vous acceptez Jésus, si vous croyez en Jésus-Christ, bon Dieu c'est papa. Si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu, si vous remet Jésus, si vous faites volonté bon Dieu, si vous comprenez le langage de Jésus-Christ, parce que vous faites partie de son pâturage, parce que vous acceptez le comme maître et seigneur de votre vie, parce que vous confessez lui, vous croyez en lui, vous recevez lui comme votre sauveur personnel, vous avez pour père Dieu. Mais si vous rejetez Jésus, si vous méprisez Jésus, si vous négligez la parole de Dieu, si vous méprisez la parole de Dieu, si vous repoussez Jésus dans la vie ou pas d'accord avec lui, vous avez pour père le diable. Eh bien, quel est votre choix ce soir? Est-ce que vous voulez toujours rester enfant du diable? Ou bien est-ce que vous voulez changer de camp ce soir pour gagner la vie? Son seule façon pour gagner la vie, faut qu'on d'accord pour croire en Jésus-Christ. Faut qu'on d'accord pour accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Faut qu'on d'accord que Jésus t'est mort pour vous à la croix. C'est péché où il t'est porté sur lui à la croix. C'est douleur où il t'est porté à la croix. C'est dans la place où il t'est mort et où accepter ce sacrifice
par la foi. Et à partir de ce moment, ou a sorti d'enfant du diable, ou a passé à enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Acceptez donc Jésus-Christ ce soir et va devenir ipso facto enfant de Dieu. Répentez-vous, convertissez-vous ce soir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour du salut. Croyez en Jésus-Christ et vous aurez le salut. Que le Seigneur vous bénisse tous. Restez branchés. Yes, la tante noire, c'est dans place non l'été mourir, et livrer ben haut la vie à soya ou même qui vous connaît. Pasteur Kepler Joseph, à conclure par la prière. Alléluia, merci Père Saint, pour tel enseignement qui rappelez-nous, Seigneur, l'intervention après la chute de nos premiers parents, ou adresser directement, personnellement, malin, le diable, le diabolos, l'adversaire, lui qui tord la parole. Et qu'après, il est venu pour aider, chier et détruire. Et papa, je suis pas là avec lui, qu'on est, ou après, il est ici, les femmes ne lui servent la postérité de la femme a sorti au sauveur. Elle venait. La possibilité pour blesser ta langue, mais ce sauveur, la clave est de merci de ce côté où nous sommes pour mettre ça. Nous bénissons, Père Saint, des milliers de générations passées. Et maintenant, on va te convaincre parce que nous devons contrôler. Merci à ceux qui ont fait l'enseignement quand tu sais tomber d'accent sur les quatre grandes personnes. Au Seigneur, notre philosophie parole. Parlez-nous de la période babylonienne, en pile drame, pile détail, la période perse, la période grecque, et commencer avec une début de la période romaine. Au nouveau roi, pour tout empire, ça a passé, il n'y a pas qu'à qu'aimer, parce que Daniel, tout le monde, on voit des petits pieds, on va le détacher sans le secours de tout le monde, comme ça, la paix. Il fait un pile travail, Babylone fait un pile travail, il fait déjà, Père, Darius. Et Alexandre le Grand fait des merveilles, respectez-le. Au côté papa, Alexandre a pour victoire, l'histoire pour traditionnelle, fait qu'on est le second cheval bicéphale. Oh, oh, oh. Et après, vite.
Remercier Pasteur Kepler pour la prière de conclusion. Nous remercier toutes amies qui étaient branchées avec nous et qui branchaient encore sur Facebook, sur YouTube et sur la ligne de téléphone. Nous
te prend beaucoup de plaisir pour nous te accueillir dans notre sein. Et nous remercier le Seigneur qui t'a utilisé nous comme un serveur pour vous servir ce mets préparé dans la cuisine du Saint-Esprit. Nous espérons que l'émission ça te fera un pile plaisir. Ou même qui a suivi nous sur les médias, partagez-les, abonnez à lui-même pour capable toujours joindre chaque fois nous dans l'air pour bénir avec nous. Et nous demandons au même qui n'a téléphone, partagez-les à amis yo pour yo même tout yo capable monter pour bénir avec nous. Nous apprenons rendez-vous avec vous la fois la plus prochaine pour une émission du même genre. Entre-temps, pendant qu'on a dit welcome back au docteur Wilner Blanchard qui a été en République Dominicaine en mission, eh bien, on a demandé pour lui prononcer la bénédiction finale pour ce soir. Pasteur Blanchard. Amen. Okay. Amen, amen. Yes, nous disons pour merci de ce que le docteur vous écoute pour nous-mêmes pendant que nous sommes allés à mission en République Dominicaine. Merci beaucoup, Pasteur. Et Feniton, nous saluons tout le monde et continuez pour nous bon Dieu pour nous-mêmes et pour nous continuer à faire travail bon Dieu. Amen. Donc, à nous recevoir la bénédiction avant d'aller. Celui qui a la vue a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Amen. Et Jean 20, verset 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Que la grâce de Dieu, notre Père, notre Jéhovah, celui qui pourvoit nos besoins et qui nous a donné la vie éternelle par le sang de son Fils, Jésus-Christ, notre divin rédempteur, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, et Dieu lui-même qui habite en nous par son Saint-Esprit. Il nous console dans toutes nos afflictions, dans toutes nos vicissitudes, dans tous nos problèmes. Garde et nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ jusqu'au grand matin béni, glorieux de l'éternité. Amen. Bon Dieu bénisse nous tous, passez une très bonne nuit. Voilà donc. Amen. Que le Seigneur bénisse nous tous, nous en nous, que nous capables de saluer nous en l'autre à la gloire de Dieu. Et le Seigneur bénisse tout pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Salutations à la cœur, à la prière. Et pour ce que pasteur dit. Amen, amen. Bon Dieu bénisse tout. Amen. Passons que bonne nuit. Amen, amen, amen. Bon Dieu bénisse. Thank you. Docteur Feniton Jacques, pour cette profonde étude encore, en ce qui est plein, tout nous y croit. Bon Dieu bénit nous tous, et le bénit docteur avec famille, madame, et tout serviteur, et tout le monde Dieu couvre nous. Et ça, c'est la peine de mentir tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Have a good night.